fière de Montréal. Je voulais être à l'image de ma ville dans le rouge. Tu me ris pour de vrai. Est-ce que tu me sais que dire lol, c'est quoi un vrai rire? Qu'est-ce que tu fais quand t'as un fou rire? Lol, 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 lol. Femme, on t'aime pour ton enveloppe, pas ton contenu. L'autre fois, par exemple, j'étais dans un souper avec des amis, on jasait politique et tout d'un coup, une belle femme a donné son opinion. Malaise! Moi, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre. Okay? Ça, c'est comme 4 ans de thérapie de groupe. Pas de thérapeute. D'autant plus que moi, je suis humoriste. Je travaille dans un monde d'hommes. Vous savez, il y a quand même plus d'hommes humoristes que de femmes. Et ça, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, je vous jure, le micro, là, ça pèse presque rien. Là, c'est... Et pour vrai, un moment donné, tu viens pour aller dormir et le CLSC vient sonner chez vous. C'est la police des bébés. Et là, elle me dit, comment tu allaites ton bébé? Ben, avec mon sein dans sa bouche. Et c'est la première fois que vous venez au Québec. Oh, ben ouais! Du coup, ma cabane au Canada, gros gnognon, halala! Vous comprenez quand je parle le lentement? Vous comprenez ce que je dis? Si, si, oui, ouais! Absolument! Pour être bien honnête, moi, je suis pas certaine. Je suis originale de Shawinigan-Sud, mais j'ai déménagé à Sainte-Sophie. Comment expliquer à mon conjoint, avec qui je partage ma vie depuis 10 ans, que je suis en amour avec sa tante, Ginette? Comment faire? C'est compliqué, ça, je te dirais, paye-toi un télégramme chanté.